Je vous propose ici une préparation à l'open leg rocker, qui est une bascule arrière jambes tendues. Tout d'abord, asseyez-vous sur les fessiers, le buste redressé, cherchez l'autograndissement et retrouvez vos référentiels pilates. Épaules basses, nuque longue, engagement du centre. J'absorbe mon nombril, pour l'instant en position neutre de bassin. Inspire, place les bras devant dans l'axe des épaules, souffle, bascule le bassin. Inspire, redresse, auto-grandissement, les bras montent vers le ciel et souffle, rétroversion de bassin. Incline légèrement le buste vers l'arrière. Inspire, redresse. On est sur un demi-roll-up, un travail ici de mobilité de la colonne lombaire. Inspire dans l'auto-grandissement, souffle, on absorbe son nombril, gardez une position reculée. Ramenez les jambes pliées vers le buste. Stabilisez dans la position et préparez-vous à la bascule arrière. Rolling like a ball. J'engage mon centre, je creuse mon ventre, j'absorbe mon nombril. Inspire, je me redresse, pied au sol. Souffle, bascule le bassin, inspire, redresse. Souffle, j'absorbe mon nombril. Je repars ici sur le demi, roll up, souffle, bascule le bassin, inspire, auto-grandissement vers le ciel en absorbant son nombril et encore. Stabiliser, bassin en rétroversion. Trouvez le point d'équilibre, on est sur l'éducatif ici. Pointe de pied serrée. Je stabilise la position. Et rolling like a ball, je bascule vers l'arrière sans déposer la tête au sol. J'arrive sur les omoplates et je reviens. Veillez à maintenir les angles entre les cuisses et le buste. Soufflez, roulez, inspirez, revenez. Soufflez, basculez, inspirez, revenez. Cette option, j'ai placé mes mains sous les talons. Tendez les jambes devant, inspirez, grandissez-vous et soufflez, fléchissez le buste en avant. Inspirez, redressez-vous. Spine stretch, on souffle, on creuse son ventre. Quand on vient chercher vers l'avant, les omoplates restent stables et puis redresse. Repliez les jambes. Stabilisez. Placez vos mains de part et d'autre des mollets. Soufflez, tendez une jambe, le dos est stable. Gardez les mêmes espacements entre le buste et les cuisses. Inspire, on plie. En alternance, souffle, tend la jambe gauche en gardant l'autograndissement et le placement des épaules. Souffle, tend l'autre jambe. Et souffle, tend les deux jambes. Cherchez l'autograndissement, abaissez vos épaules. Repoussez votre sternum vers l'avant, votre nuque vers l'arrière, creusez le ventre, maintenez la position stabilisée, quelques respirations. Puis repliez les jambes, pointe de pied dirigée vers le sol, rolling like a ball. Soufflez, roulez vers l'arrière, inspirez, redressez. On garde l'engagement du centre. Inspire, redressez le dos, souffle, tendez une jambe, inspire, stabilisez, soufflez, tendez l'autre jambe et restez. On absorbe son nombril, toujours l'autograndissement dans sa colonne. Ici, on n'est pas en neutre de bassin, on garde une petite rétroversion de bassin pour étirer, chercher de la longueur dans sa colonne lombaire, tout en conservant l'autograndissement du haut du dos. Soufflez, tendez les deux jambes, amenez votre sternum vers l'avant, votre nombril vers votre colonne. Maintenez le regard vers le pubis et roulez vers l'arrière jusqu'aux omoplates. Soufflez, creusez le ventre, roulez vers l'arrière sans poser la tête. Inspirez, revenez. Et encore, souffle. Et inspire, reviens. Regardez, je suis bien stabilisée sur mes omoplates quand j'arrive en arrière. Ma tête ne touche pas le sol. Je ne me jette pas en arrière. Je place mon bassin et mon dos par la force des abdominaux.
et souffle. Je relâche une jambe puis l'autre. Je tends les jambes, inspire, monte les bras. On est pieds largeur de tapis. Souffle, on étire vers l'avant. Cherchez l'autograndissement dans votre colonne. Imaginez que vous êtes dans la recherche de la position de l'open leg au cœur, mais jambes au sol. Soufflez, relâchez, inspirez, montez les bras, autograndissement. Soufflez, fléchissez le buste en avant. Maintenez la position quelques secondes. Et soufflez, déroulez encore une fois. Pliez les jambes. Inspirez, placez les mains dans l'axe des épaules. Soufflez, basculez le bassin. Et venez chercher l'équilibre sur vos fessiers, juste en arrière des ischios. Voilà une autre position possible pour l'open leg au cœur. En tenant les orteils, jambes largeur de bassin, vous pouvez vous entraîner à rechercher l'équilibre avec ce placement, cette saisie des orteils. C'est un peu plus difficile, mais si vous êtes à l'aise, vous pouvez faire l'exercice avec ce placement de pied. Genoux fléchis, pieds serrés, voilà encore une autre option. Niveau mat work 3, avec les jambes parallèles, les pieds serrés, les genoux serrés, on stabilise. N'hésitez pas à faire cette préparation plusieurs fois d'affilée ou à l'alterner avec une séquence de stretch que je vous ai précédemment publiée.